Yon gros bout de tonton opération menée, c'est pas n'importe où prince, mais plutôt c'est dans le département centre pays d'Haïti, côté la police mettait menant pas de cassave, 5 individus qui fait partie des bases 400 maozo. Nous connaissons un moment, t'es quoi des bouquets à l'étroit, chaud pour négo, pis mal que vélant, négo obligé mes chers amis à fond façon pour yon capable lager koyo l'autre côté. 5 nèg sa yon arrêté, m'bral bon noyo, m'bral djou mais ça qui yon t'a réglé l'autre boa, rete là, parce que yon plus l'autre détail par exemple, sinon j'ai au cabine yon là, autant de bè. Ou pas besoin de non, ministre Kabaye sous la pays d'Haïti, oui, oh, et à parler, restez l'attendez, comment nous y est, est-ce que nous avons qu'un est-ce que nous en forme? Nous connaissons, comme une croix de bouquet, mes chers amis, je vous dis à la, les tournées ont clé coup pour tout nec qui veut bâtir des bases 400 maozo. Qui donc, depuis après, Chati Magali fin la gué collègue à terre, rentrer dans fief collègue, mouche l'en mort sans jouli même, l'ina maon, soldats ou tout yon obligé à déserter, soldats ou mes chers amis obligé à garder, qui façon, qui manière pour yon capable de quitter canton ça, pour y aller prendre refuge, non l'autre endroit. C'est à m'en bayan pile information et m'di avec tout le monde dans 10 départements pays d'Haïti, pour veiller en haut, veiller en bas, parce que bandit sa yo, yon à la maskay. Opération ça que la police arrive en main en dedans département centre pays d'Haïti qui pral bay 5 bandits pral joine arrestation yo qui donc bandi fait partie des bases 400 maozo comment yo relé tendez bien nan mi balè nan localité Trianon section communale Grand Boucan PNH là la police nationale d'Haïti arrêté mes chers amis Lochard Hermon qui gen 29 l'année avec Mercidier Lochard alias Jerry qui gagne 38 ans. Tout de nek sa yo, yo fait nan bon repos en dan kwa de bouquet. Alors que gion l'autre li même qui se Kenol Edner qui âgé de 38 l'année, tout ça li fait en dan localité Mibale, de wan nan ti zone yo rele Trianon. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, raison que fait la police maril après fin maré. Des taux qui me sont cités dans là auparavant, c'est parce que Mouché, lui, c'est un complice en parlant de Kenol Edner qui gagne 38 l'année. Vous comprenez? Pour qui ça la police Maril, c'est parce que tout ça, yo, bandit 400 maozo, yo, mes chers amis, là, vous venez quitter la capitale, vous venez quitter quoi des bouquets, vous prenez direction département centre pays d'Haïti, rivez en demi-balle dans la localité Trianon, c'était Kay Mouché Kenol Edner, li yo tapral serré, qui donc la police Maril, monsieur. Parce qu'elle te mette Kylie en disposition bandit sa yo que la police a cherché afin que vous n'ayez capable d'héberger, afin que vous n'ayez capable de rester là à la maskay, fait tant qu'il y a fait comme si c'est le monde qui sont porte au prince qui vient passer vacances. D'ailleurs, dans un moment vacances, a dit en pile fois, mes chers amis, ouais, nous avons débarqué dans la ville de province. C'est vraiment important, intéressant pour nous veiller en haut, veiller en bas. Si tout, dans un moment, si la pendant Chati Magali a baïti, c'est 400 maozo yo, gros bout de tonton fado ba yo côté. L'autre bagaille encore, dans le même cadre opération qui est en bord D. Alors, trois personnes que la police a arrêté, qui ont identifié une son complice. L'autre deux, mes chers amis, c'est Nek qui fait partie des bases 400 maozo. L'autre deux encore, la police a arrêté, ils ont quitté la localité Trianon. Ils ont aller, mes chers amis, dans le fond cheval. Est-ce que vous comprenez? Toujours dans le même cadre d'opération, oui. Dans le fond cheval, la police a procédé avec arrestation. Mathieu Peterson, alias Johnny, qui a 26 ans. Il y a un autre qui c'est Mathieu Petit Homme. Imaison qui gagne 20 ans, tout ça mes chers amis qui fait partie encore des bases 400 maozo et mouche sa yo qui me sont cité nos gou là, tout ça mes chers amis yo dim, li gagne plusieurs actes. On prend et que on reproche plusieurs infractions parmi yo mes chers amis, gagne kidnapping, gagne vol armé, gagne association malfaitée. Et on dit la police t'a cherché tout ça yo en pile bon, en parlant de et Mathieu Peterson alias Johnnyan et Peter et Petit Homme Imaison qui gagne 20 l'année, la police t'a cherché au cou chien fou après que on t'ai fin impliqué mes chers amis dans un kidnapping qui devait son citoyen qui c'est Antonio Saint-Jean dans mois juin qui sont passé à la qui donc la police ça t'est arrivé dans mes bel bout de tonton coup de filet ça bel bout de tonton opération ça en dedans département centre pays d'Haïti dans deux localités l'une c'est Trianon l'autre là c'est Fontcheval c'est grâce avec population qui pas dormi population qui était réveillée population qui a fait brigade qui a dit depuis on monte entrer dans zone yo par contre moun ça pas une question oh oui mon absolu porte mais une basse vacances yo pas venir prendre ça dans mes parce que nan moment en pile bandi APC déserté quitter Port-au-Prince pour comment capable aller réfugier yo dans l'autre département pour comment capable aller
aller dans notre localité, peut-être là, la police pas trop à faire arriver. Vous comprenez, mais peuple là même qui siège à oreilles, la police là, yo déjà prêt pour yo arrêter la police depuis yo joindre un individu, yo inconnu dans zone là, un monde qui pas contingent clopico ban. Dans mon yo kon di là, qui pas contingent suspect, vous comprenez, mais la police li dévoué mes chers amis pour le capable mettre main dans pas de cassave individu si là. En tout cas, ça fait 5 nèg, comprenez alors ça fait 4. Mon chemin, alors, 5 que la police a arrêté, dans les organes, tu as 9, ça fait combien? 9 plus 4, by 14. Ça dit, pendant ce moment-là, mes chers amis, pour ça que nous connaissons déjà, oui, dans la question de qui nous bandit, il y a été arrêté pour question de une pièce sous le bail, ça y a une image, vous comprenez? Mais pour question de bandit, base, vous comprenez que vous affilié, il y a 9 pour prendre les organes, il y a 5 là, vous sont prêts dans le département de pays d'Haïti, qui donc, la police a frappé, qui soit dit, bravo la popo, il faut pas oublier la population, bravo la popi. Marque ça parce que nous avons déjà, depuis l'information tombée, depuis que je joue un détail, mes chers amis, je vais faire la sissine, je vais partager la avec vous parce que je dis ça en matière d'information, nous c'est numéro 1, et ça qui est sur tous les réseaux sociaux. Qui s'est passé? L'autre détail qui m'a dit, oh oh, il y a une grosse déclaration faite là, mes chers amis. À cause de l'insécurité, ça a gagné en pile gros autobus à travers le monde qui a pensé pour le pays d'Haïti. Si vous ne comprenez pas tout ça, vous comprenez? En pile gros autobus qui a pensé là, qui a dit qu'il y a pas comprendre le phénomène d'insécurité qui déclenche sous kidnapping, détourné comme marchandise, a fait viol, a volé à faire monde, qui donc. Autorité a pensé, même si autorité dans le monde entier, y a pensé comment vous faire pour capable vous être pays d'Haïti dans un pas ça. Mais ça grave, oui. Quand vous avez l'autre nation qui a pensé pour retirer pays ou dans sa liat, tandis que vous avez un paquet de gros autobus dans l'état haïtien qui a mangé kaboué, puis vous avez l'autre bord, vous avez fait l'argent, vous n'avez pas tant de mois pour vous toucher, vous n'avez pas ni les 15 ni les 30, vous avez touché les ouvriers, vous avez fait mes entrées sur le public là, les ouvriers, les hôpitaux. Et bien, comme tout, vous avez un secrétaire général OEA qui c'est Luis Almagro, tout ça, mes chers amis, lui fait qu'on est retour soldat des Nations Unies en Haïti, t'as doué. Première étape pour être pays d'Haïti dans la situation qu'il y a aujourd'hui, qui c'est insécurité, instabilité politique. Et secrétaire à l'épilou, mes chers amis, il a acquis les États-Unis avec l'autre pays qui t'a forcé le ministre à aller. Vous savez, qui t'a forcé le ministre à aller, qui t'a payé. C'est une décision, ça, mes chers amis, qui est capable de permettre nos bons climats, insécurité. Alors, c'est décision fait ministre à aller pour ces deux qui la cause. Nous venons de gagner une situation sur ça, climat, insécurité, ça, mon cher, qui a fait rage, qui a dégringolé au jour le jour. Ces paroles qui sortent dans la bouche, Almagro, qui c'est secrétaire général OEA, selon ça, Miami Herald, les faits qu'on est. Mais il y a un bagage qui est important, j'aime bien dire dans la commencement de l'émission, hein? Ministre, bon côté, vous êtes bon. Mais bon, l'autre côté, tout, mes chers amis, vous êtes vraiment à faire population haïtienne dans Abi. Et il y a un pile. Et militaire, on prend nek qui fait partie des ministères là ou des venir là, il y a un pile petit, il y a un pile petit moun jounen yo di là, puis force ces petit ministère. Est-ce que vous comprenez? A dit nek la venir là, on connait famille ou même chef, yo wel gon ti koulè, yo oublié si c'est dans mission que nek la li gen madame li gen petit li gon vie déjà, li sortande ya femme là et manger côte qu'elle est, on prend pain bêche qu'elle est, et puis sortande li just à l'entrée en bas et militaire, puis sortande militaire li pa gen pria de boubali la prend. On mette du enceinte, c'est celle nek qui coule, la touche ti comme li à l'aise, vous comprenez? Li on ti jan bien, pas un problème, fait petit tout, mais après son gen pou chercher le parole parce qu'il est dans mission que lié, faut l'entrée la caili pour la jeune famille. Et bien mes chers amis, ministre, c'est vrai s'il tourne parce que dans moment là en sérieux, pays d'Haïti a fait face avec une insécurité qui l'extrait. Capable dit insécurité vraiment extrême. Yon insécurité, mes chers amis, en vérité, moi-même c'est pour la première fois ma vie en bagaille comme ça. Pendant tout le temps que je suis dans le pays d'Haïti. Qui donc, c'est vrai, la police là, l'a fait travailler comme ça droit. Nous on a mais pour banan qui pas tellement campé soin. Parfois kap bay la police a j'arrête dans l'intervention. Mais ma pari avant pour nous gagner un petit souffle, pour nous aller mieux dans la question insécurité ça. On va nous tapiche qu'une insécurité a besoin en force militaire internationale. C'est ça qui est dit. Comme nous Alma Goulimand pour le ministre tourner, parce que le ministre a volé cabrit nous, il fait massissi avec nous. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, balade l'autre, t'as pris moi, oui. Est-ce que vous comprenez? Elle dit son façon. Elle dit pour nous trouver une mauvaise bagaille qui a été fait comme ça, tout le ministre est là, mon cher, tu es toujours gang, oui, mais gang n'est pas trop à la mode comme ça. Et vous mettez dissolvé l'autre temps de déclarations qui a sorti dans la bouche. Bandi yon nan pays d'Haïti yon toujours dit yon père américain, yon père militaire, yon père vrai. Est-ce que vous comprenez? En tout cas, m'a konne est-ce que pral gen yon on retour ministère nan pays d'Haïti. Mais si toutefois, Luis Almagro parle, c'est parce que la fumée pa konne vissant di fe, gen tan gon boukan di fe, peut-être nous mou kore kote liye, mais la fumée yon, li gen tan propage dans l'air, qui donc nous prenons, nous vin partager ensemble avec vous, mes chers amis, dans le cadre émission sa ou te kon sa. En tout cas, mes chers amis, yon nan bagay ki important, intéressant, pays d'Haïti.
journée jodi a là nous non cas d'urgence quel que soit bagaille pour nous faire depuis là bon pour pays d'Haïti pour être pays là dans ça qu'il y a nous est venu quelle que soit proposition gagné nous mettre venir avec lui en garder qui ça qu'il capable bailler en garder est-ce qu'il en analyser avant même pour nous est-ce qu'il a porté résultat et puis sortant de là pour au moins pour peuple haïtien capable râler on souffle dans question insécurité ça qui la cause en pile petite terre obligé à prendre humiliation déception dans divers autres pays gagne monde qui vend tout ça qu'il te gagne Haïti à cause des menaces à cause yo kidnappé en première fois il a subi menace pour une deuxième fois il obligé vendre tout ça qu'il te gagne net il va rien il a aucun je retiens vous comprenez l'obligé à couper col long pays l'autre bord de l'eau sortant de la prend misère elle fait crever pour adapter là avec système pays en pile de blousa et de vous quitter Haïti ou à l'autre pays ouais même pas même dit Saint-Domingue ou quitter Haïti ou à l'autre pays pas penser ou capable à l'aïté quoi l'en faire à descendre caïmou non il y a pas pile mauvais gens parce que gain bill on prend gain pile l'autre petit encore manger à vinn plus kounia on prend sac dit pas café 15 jours encore parce que là on monde en plus pas mandé mon dieu ou vini ou beaucoup jeune travail on prend si bouche market ti ta manger il y a quelques bagages pas connait kounia pas prendre avec moi je manger tout temps en tout cas mes chers amis une bagage qui important c'est le secrétaire général OEA gain en pile forte possibilité pour ministre ta fait moment ta bac dans pays d'Haïti et yo et famille mais généralement qui retenu jusqu'à cette dernière minute c'est 26 27 en vertu de quelques membres de famille qui normalement essayer ouais c'est au cas planifier l'autre bagaille mais jusqu'à présent date qui retenu c'est 26 et 27 donc je pense et ces dernières informations que nous gagnons en termes de planification pour en termes de sénateur. C'est 25 ou 27 qui a venu là, c'est du Jusao qui jusqu'à présent qui est retenu là pour pouvoir entièrement faire. Ok, donc l'initiative en marche pour aujourd'hui là, c'est une initiative de mouvement politique de mettre sous pied, c'est ça? Ah, absolument, c'est parti politique, mais contre pour sauver Haïti. Qui était en partie, bon, nous connaissons sénateur à tout, qui était passé dans plusieurs partis politiques, jusqu'à la dernière structure, ça, c'était structure Pali, que l'ité mettait dans le département sud-lan, une structure qui était visée, fait bagaille autrement. Donc, nous avons même bien pour nous faire lancement officiel dans fin mois du plan-là. Donc, malheureusement, que nous allons perdre du sénateur à sa Paris est fait. Mais ça va camper là, n'a continué la bataille et jusqu'à ce que nous joignons justice et réparation pour le sénateur. Hein, et jusqu'à ce que tout bagage ça offre dans le pays. Hein, parce que c'est déplorable, c'est des bagages que nous pas accepter encore dans le pays. Hein, nous bouquons avec la situation de ça. De tout à fait matin, hein, là, nous avons organisé une marche dans la ville locale, pour nous. Normalement, et vous un message clair pour nous annoncer tout ce que nous gagnons dans l'agenda qui va venir très bientôt. Merci, Germain Rodrigue. Merci pour le remercier. Merci beaucoup, Jovan. D'accord, voilà, c'était Germain Rodrigue qui s'est relations publiques, parti politique, mais contre pour sauver Haïti, qui a lancé, qui a organisé une marche pour demander justice pour ancien sénateur Yvon Bustret qui était mort. Ancien député campéré avec Maniche Lan, Oblé Lampierre, qui est partagé tristesse avec la famille, amis, avec ses sympathisants. Yvon Bustret, quoi, assassinat, ça, c'est un groupe être pour PIA, en particulier pour le département sud-là, côté Liguette, ici ou non, Papa Bonquet, dans une déclaration lui fait ancienne députée, dénoncer l'insécurité qui passe suspendre à monter tout partout en Haïti. Aucune pierre va profiter de l'issue que en rien parfait, malgré toute promesse, équipe est dirigée en fait pour résoudre la crise d'insécurité avec un kidnapping. Quant à département sud-là, ancienne parlementaire campérée avec un manichement, estimé par des moun qui a pensé pour région sud-là l'année après le tremblement de terre, tout ça, il y a du fond avec l'autorité des facteurs, des dits, ou bien des promesses, étaient jusqu'à présent dans le stade de parole. Aucune pierre pensée, ensemble, organisation internationale qui prend engagement pour aider les battements sud-lant, admis par les nations, hein. Explication si tout le monde dans le sud, côté l'agent qui promettait au passé, ici, un député. Aucune pierre lancé tout appel, dans ce sens-là, chaque haïtien en particulier.
moun nan sud pou leve kanpe pou di non yo bouke avèk blof ak otorite de facto yo plede a par citoyen chak jou nan peyi a et pi rapidman deryè nan ti 15 août k ap vini la se ap patro nan vilokay sa ap fèt yon deuxième bani yon de lòtre kote moun pa tande anyen k ap gen pou maki notre anè sa nan 3e vil peyi a mis a pa yon konsèr k ap gen pou fèt an fave l'hôpital Karamed Okay, ensuite yon face à face en depuis ancien jazz nan sud payant qui s'est parlé au Ramat Meridional yon même y a bien pour jouer pour yon lever fond en faveur Radio Télé Makayana Okay 15 août avec Didier Kiko qui a bien pour recevoir district de gaz bonne couleur dimanche 14 août à part ça yon sans si pas gain un rien encore pour y déballer Villan c'était un groupe en forme qui était décidé de lancer yon nan porté Villan pour occasion de tridamnan et quant à sous place gelé côté qui était connu qu'un festival et bien froid ça a rien pas prévoir pour fête d'ailleurs pour fête d'ailleurs donc d'ailleurs jusqu'à pour un moment n'a pas là même les bagues diaspora qui rentrent du tout pour activité culturelle à cause de la pérennisation gagnée pour qu'ils sont sécurité au calcul. Merci à pile Georges Valens qui t'a informé depuis Okay précisément concernant une manifestation ça qui prévoit jeudi à 9h côté citoyen yo pour aller exiger justice pour famille Yvon Busquette DG PPLS ancien sénateur département sud de Bandi t'es assassiné dans la boule 12 de Bandi à Kisam parmi yo yon qui relait Bello ainsi connu à qui on l'autre alors qui s'est allié chef gang Ti Madi qui est opéré dans Onaville, Jérusalem à Canaan, monsieur mouri mercredi 10 août dans Onaville dans échange côté Zamaka. La police d'après sa institution en fait qu'on a un pistolet calibre 9 mm marque Beretta série TH46413 récupéré. Citoyen ça qui est les Bello, il était impliqué dans plusieurs actes criminels parmi eux kidnapping des marchandises à vol à Kazam. L'autre présumé bandit qui est même tout mouri, on connaît son nom Papito, il fait partie gang Patrick alias Pachuco, t'a dirigé. Monsieur Sayo, yo habitué rançonner commerçants dans marché sable Canaran et yo également spécialisé dans zak cambriolage ak nan Rosenberg, yo localité dans Bon Repos et Papito ça li suspect comme quoi il était participé dans l'exécution la nuit 25 pour arriver 26 juillet 2022 à Daphné Joseph qui c'est madame docteur Ecclésiaste Noël nous songer ça Maril que nous recevoir dans espace ça sous antenne Caraïbes FM côté bandit est rentré la Kaeli touyé madame ni qui gagnait 34 ans qui était à peine accouché qui était gagné un bébé 10 mois donc dame ça qui était mouri et donc songez ça ben Papito selon la police nationale d'Haïti c'était yon individu qui était impliqué dans un crime ça donc la police qui fait coup ça dans zone Onaville selon sa service presse et communication PNH l'a rapporté. Après retourner Johnny à Kalidi pour nous aller Port de Paix pour nous parler avec Jean Rodelet Baptiste qui c'est un petit nord-ouest militant engagé qui lui-même écrit premier ministre là sous décision ça il dit gouvernement t'apprend pour fermer port nord-ouest là nous connaît qui quantité d'armes dernièrement qui était rentré dans un port ça et tout en tout cas saisi bateau qui ont débarqué dans zone ça et nous allons parler avec Jean Rodelet Baptiste puisque hier tu as gagné manifestation dans Port de Paix et nous attendons ça dans intervention citoyen qui était dans la rue hier. Jean Rodelet Baptiste, bonjour. Et bonjour Lydie, bonjour Johnny, bonjour avec toute fidèle auditoire radio, bonjour avec des Patrick Monsignac et bonjour spécial avec tout le monde nord-ouest. Et ma dernière, c'est avec un sentiment de tristesse parce que le pays a une situation arrivée là que personne n'est pas capable de vous sentir bien là-dedans. Que n'a placé mon nom suite avec décision que l'État central voulait prendre sous et ouaf pour de paix. Côté que nous, toute la, que tout est sorti dans une commune qui constitue le département. Allô? Oui.
Allô? Oui, oui. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une décision qui comprend, mais qui compte information ça sorti? Décision, ça, c'est une décision qui, suite, depuis le que vous avez fait arrestation et commissaire du gouvernement et maître Michel Lévigile, y compris maître Benson, côté que, d'après le rapport des CPJ, il y a un pile et armes et un pile choses, trafic illicite qui passait dans le Wafford de Père. Côté que, et je pense qu'il pense que pour personne, côté que il y a un trafic d'influence suite avec maître Benson Pierre-Louis, sous question ça, il a posé scellé sur ensemble des bateaux et qui étaient déjà impliqués dans ZAXA. Mais décision en son décision, il y a caressé pour qu'il soit capable de faire un Wafland, suite même j'en ai fait et ça dans Saint-Marc. Même j'ai offert un peu de décision dans l'autre côté. Mais normalement, donc, c'est nous, pas fermé totalement, en tout cas. Non, c'est pas fermé que y ait eu une décision, mais pourquoi Fort de Père y a pu choisir côté que nous avons des décisions judiciaires qui prennent suite avec M. Bertin, y compris doyen, côté que y a signé des papiers pour que y ait posé scellé, mais il y a paraissé côté que pour que Wafla lui-même était capable interdit par un série de gros bateaux qu'on a sorti Miami, Nassau et dans d'autres pays, parce que nous, tout le département nord-ouest, hein, c'est que si Wafsa qui jardin nous, c'est lui qui source de revenus nous, c'est lui qui paye l'école nous, moi-même personnellement, c'est lui qui paye l'école en pile l'autre jeune. Et je veux dire, si vous avez un jeune nord-ouest dans l'occasion 12 août, ça, qui c'est journée internationale de la jeunesse, côté que vous êtes capable de faire ça, c'est capable de faire ça, nier, côté que nous pas qu'à dire des zones, des non-droits, tant que j'en ouais, et intervention t'a fait matin, j'ai la population t'a revendiqué, tant que Matissan, tant que, et des zones de non-droits dans la capitale là. Donc, je pense que son décision que l'État a caressé, je pense que l'idée n'est pas de bon goût, non, bouche. Personne comme petite nord-ouest, y compris dans tout l'autre pays, côté que vous choisissez pour prendre décision par nous. Nous prenons devant. Bon, nous prenons devant pour que nous voyons un signal, nous voyons un signal clair pour que nous disons l'État central pour y prendre responsabilité. Au contraire, nous plus victimes, nous c'est dernier rempart dans le département que personne ne part. C'est le président Jovenel Moïse qui met ton écran sur nous. Et depuis l'Elfine, il tout senti au campé. Et pas un rien que côté que nous capables de dire, nous carrer l'État, parce que nous payons des GI, nous payons ensemble des taxes. Il n'y a pas retourné la caille. Donc, ça veut dire que le pays a Wafsa ou qui a choisi pour faire venir depuis 2004, 29 février 2004, après le départ de Jean-Bertrand Aristide, il a été boulé. Et jusqu'à présent, Wafsa ou capable de faire dans le bâtiment, il a pris un bâtiment, machine, il a pris tant d'autres articles qu'il a mis pour être capable de débarquer. C'est-à-dire l'État central, pas jamais essayer un Waf qui va être plus recette. Non, région, non, comme taxe, non, dans le pays. Donc, ça veut dire que, je pense que la décision est même mal venue, elle mal prend, et les gens qui ont caressé là. Et je pense que, il y a Paul Lafitte au côté, il y a plus d'âmes, il y a plus de monde qui mourent dans la zone à Kaye, la zone ça, il n'y a pas fait mal. Je pense que, il y a Miragouane, il y a Ocap, il y a Port-au-Prince là, c'est là, mais il y a prend comme territoire. Il n'y a pas fait mal et pas jamais gagné action posée sous douane Port-au-Prince. Moi, c'est nous-mêmes pour de paix. Si l'autre côté au Port-au-Prince gagne gang, gagne kidnapping, l'autre bagaille, nous avons vite li. Mais nous-mêmes pour de paix, c'est Wafla seulement nous gagne. Nous pas gagne l'autre bagaille que Wafla, qui moun que nous gagne l'autre bord, capable de voir un green zil ban nous, qui capable de voir un boîte lettre ban nous, capable de voir un sachet sucre ban nous. Et bagaille, tout le monde, il y a un problème gaz et tout l'autre problème qui bagaille. Moi, c'est que c'est une décision qui mal vini. Et si l'État central a été capable pour une décision comme ça, je pense que il n'y a pas qu'à prendre l'autre bagaille qui ont l'autre sanction encore, qui c'est qui ça n'a vivre là. Donc nous prenons des vents, nous voulons signer un clair et nous remercions toute population nord-ouest qui te répond présent. Et c'est ce que c'est comme on est matin dit, c'est son signal qui nous baille. C'est-à-dire que ce n'est pas un bagaille que nous faisons hier, nous camper, et son bagaille n'a s'il continue à faire mobilisation dans tous les médias, dans toutes les collectivités territoriales, toutes les sections communales, et prochaine fois. Bon, peut-être moi on a mettre une décision de dire que la peine dépendante peut-être pas, mais nous devons s'apcamper dans la région, pas oublier nous-mêmes, nous dégoûter. Parce que je ne suis pas capable de guerrier. C'est quel est peut-être son problème que vous avez avec mon nord-ouest. François Capois l'amour, les gourmets, il fait tout ça, il a assassiné. Qui est-ce qui a la région noire, son étranger, il a parlé de Warren Christophe. François Capois, il fait tout ça le fait pour nord-ouest. Il cherche un petit côté dans l'histoire pays à mais je pense que si tu es Capois, dans nord-ouest, nous-mêmes comme nord-ouest, petit Capois, je pense que c'est un moment, si on prend une décision comme ça, je pense que sans Capois vider dans nous et nous fait tout ça possible
pour que nous prenions autonomie dans notre département parce que nous pas capables sont décision qui mal vini et que l'État central prend responsabilité pour que mon nord-ouest yo même yo vive que yo retourne morceau dans taxe que n'a payé et pour ma fla pas qu'à faire bien parce que c'est lui même qui fait fierté nous c'est lui même qui fait que je dis c'est ma parole avant ou choisir bon micro que c'est pas un bandit ou pas parole c'est la même qui fait nous ça nous nord-ouest je dis on sa yo ou monsieur que c'est argument sa yo ou évoqué dans correspondance ça que vous voyez by premier ministre là donc son lettre ouverte que oui oui fait. Oui son lettre ouverte que nous fait à premier ministre pour que nous écrire parce que même si que toute population a été investi là où hier même trouver que des monde tout cap penser des monde qui fait revendication passer par plusieurs façons moi même moi écrire et toute sorte de revendication ça que nous on a parlé là que nous dit que et premier ministre que plus pour le prendre recul et pour le retourner vos yeux sur le nord-ouest pour que le département lui-même lui ait un autre regard parce que c'est le président et Jovenel Moïse, regrette mémoire, qui bat en route à Fougeur Fort de Vert. Et jusqu'à présent, la guerre est capable de tellement nord-ouest, c'est une zone qui est méprisée par l'État central. Il y a un pont qui est relié, côté où il y a un bus qui a fait trajet, port de paix, port au prince, qui des gros mônes à port de paix, à nord-ouest. Jusqu'à présent, ça a environ 6 mois dépassé que les coupé de suite avec de l'eau qui était écrasée pour jusqu'à présent l'État central projet pour intervention et l'eau ça a causé un pile dégâts et grand pile l'autre monde dans Kouchanouan tant d'autres monde qui a parlé de pont ça l'État central projet pour intervention pour que pour pont ça lui-même yo mette yo ta pour on passe soit on passe réel au moins pour monde ta passer et l'eau ça moi personnellement victime avec machine moi que l'eau ça crase machine moi jusqu'à présent rallé et tant d'autres autres monde citoyen qui victime c'est donc gros l'eau mon a passé et les gars la pluie et monde pas capable dans l'eau ça pont ça crase et son pont qui l'elle fait encore depuis sous tu vas dire pont ça fait donc moi pense que son façon que pour plusieurs fois population camper mon gros monde camper yo mandé fort pour en fait pas jamais une assistance et l'État central qui vient pour dire que bon voilà mais qui ça a fait mais qui ça a pas fait. Il y a pas jamais fait rien et département c'est même route Kafou Joff pour de paix, les camper pas problème gaz, problème ensemble des bagages mais là dans gros monde pour de paix son côté qui paisible ou capable même là dans gros monde mais on police c'est hier au frontement police du mal qui nous c'était toute famille condoléance côté le tap camper pour chaque et matin pour la venir faire poste pour police passer pour yo pas jamais dit rien et ceci que yo still rete à garder pour autant que c'est le plus fort population fin mourir ou bien fin assassiné et c'est le ça que yo compenser yo capable font bagarre parce que nous j'ai font crier d'avance nous pas gain monde nous pas gain parlementaire nous pas gain tant d'autres monde qui vont te voir nous c'est notre population en question Woodley avec Eddie Alexandre Woodley qui contrôle qui structure qui gain dans douane puisque nous remarqué ces derniers temps surtout zone Gromon et Port de Paix pile gang qui a pu l'île dans zone ça grand pile zam qui a circulé ce qui sorti sur tout port de paix qui contrôle yo mette qui structure et de contrôle qui gagne dans douane ça sous question contrôle là et madame Nizi c'est bagaille ça c'est responsabilité l'état lui-même li là pour nous payer taxes nous fait tout ça l'état mandé li là pour répondre avec sécurité nous. Nous pas mettre toute recharge de responsabilité en termes de sécurité à sous l'État parce que faut que la population lui-même aide l'État à vivre et faire travail là tout. Mais en termes de structure, les structures même j'ai avec à l'image du pays, même j'ai avec douane Saint-Marc, douane Miragouane, douane Port-au-Prince. C'est-à-dire qu'il y a agent douanier, il y a APN qui douane sous WAF là. OK? Donc c'est-à-dire tout ça qui a passé, même les amis ont sorti de l'autre côté, ils ont passé, ils ont entré pour deux paix. Comme ça, le fait pour toute l'autre douane tout, et pour qui ça va pas demander pour faire mes douanes pour deux paix. C'est pas un problème structure qui a posé là, je dis. C'est un problème de l'État pour que lui prenne responsabilité, pour que, parce que bon manifeste, le monde n'a voué bateau, voué mettre chargé dans bateau, il écrit non, il écrit téléphone, mais il y a adresse. Il dit, mais à qui destination, mais qui monde qui a pris ce vol. Moi, c'est son démarche qui est très scientifique, qui est très académique, côté que si vous y vont côté où des choses malsaines ou bien des colis qui pas approprié à ça l'état mandé ou juste aller côté à l'autre pays que yo disent nous parce que
parce que c'est Narso, c'est Mami, c'est tant d'autres autres ports qui sont de l'autre côté, qui toujours voyaient Colissa au Bano. Il n'y a pas le côté Mounsa, il y a demandé avec une garçon bien interpellé l'autre bagage, allez chercher Mounsa dans telle adresse et puis arrêtez le. Si on va idem pour les gens qui Haïti, tout le monde qui vient chercher bagage, il n'y a pas arrêté jusqu'à ce que y a une vérification qui dit que Mounsa est coupable ou bien mais comment ça se fait. Donc normalement, si c'est sous base de structure, n'a dit n'a fermé ou à flamme. Parce que c'est une décision qui m'a venu parce que est-ce que Port-au-Prince là pas gain zam qui entré à part yo impliqué plusieurs autres monde et non qui sont zam Port-au-Prince à part pour la fito là pas gain aucun contrôle c'est bourgeois qui gère gain nèg là non sous zone à côté zakadan là gain wa qui gain donc la caille personnellement est-ce qu'elle gon contrôle est-ce qu'elle gon structure est-ce qu'elle gain agent douanier la caille qui connaît les chaloupes là débarquer la caille qui est ça que la donne, qui coule la donne, qui s'appelle la donne. À part Miragua, on est dans toute la zone coup de terre là, à part sans contrôle, c'est un simple démon. Depuis faire 6h, 8h, on dit chaloupe paraît, on n'a pas aussi flash paraît, on regarde une machine, soit pour figure ou bien pour ma machine venir, puis beauté, puis aller, puis elle contrôle. Mais nous-mêmes, c'est au Waflak, les bâtiments sont Nassau, ils sont Miami, ou bien ils sont côté de Sotia. C'est lui-même, parmi nous, aller sous donc là, qu'on vient matelas, qu'on bon, par le pépé, et puis le mettre sous poil, et puis il fait éducation, nous. Il faut nous l'école, c'est sous lui, nous manger. Là, on gagne du vini, là, on gagne du poivre vini, pas. La Port-au-Prince, nous pas jamais, bon, sous question des pâtes tomates, ensemble des colis qui gagnent. La Port-au-Prince, nous pas quand des Port-au-Prince, nous avons des boîtes lettres. Et pour 13 euros là, c'est pas mais nous qu'on des trois boîtes lettres pour nous qui fait nous qu'on boîtes lettres canasson. Mais quand dit en termes de structure, non pas de structure, non, son tant que Port de Paix qui méprise, côté qui pas gagne l'autre département qui a bloqué. Par exemple, si Port de Paix bloqué là, si tout le monde s'en va pas de sortir de c'est comme si son bagage qui t'a passé inaperçu. Parce que Port de Paix pas un lieu côté qui a bloqué, soit Gonaïve ou bien qui a empêché Gonaïve passer ou bien qui a empêché et soit Monocap ou bien mon l'autre département. C'est-à-dire, nous côté lien et nous-mêmes seuls qui là. C'est-à-dire, seul ça qui recoule nous qui vit sous des revendications, nous, c'est population qui. Là, oui. Et normalement, deuxième étape, là, c'est toutes les fois. Décision, ça t'a venu. Et je pense que ce n'est pas moi-même seul qui a premier deal. Toute boîte l'État a fermé parce que pas rien. Parce que boîte l'État, ça, c'est parce que pas utile. Non, rien. Déjà, il n'y a pas utile. Non, rien. Nous payons taxes. Nous payons route. Nous payons électricité. Nous payons sécurité. Donc, c'est-à-dire que je pense que c'est. Population, c'est le cas de tout le monde nord-ouest. Et environ 85% de la population nord-ouest, là, c'est des WAFS. C'est pas ni de Diri, ni de Tokulatibo, ni de Tapalo, de Diri, de la Lo, ou bien tant de l'autre côté que Tapo, Yam, et Maïmoune, et tant d'autres bagailles, mais Waf, ça a Port de Paix, c'est lui-même qui chade tout petit Port de Paix. Qui tout est bombardé au police, ou bien Molse Nicolas, ou bien des choses, parce que Nord-Ouest, sous le plan touristique, en termes de côté guerrier, permettez-moi s'il vous plaît. Regardez là, dans l'île de la Tortue. Regardez nos bons plages là-dedans. C'est là-dedans qu'on bateau touriste passe chaque mardi. On bateau toujours depuis on part dans côté nord, on côté Carrefour nord dans l'île de la Tortue. Yo là que chaloupe doit faire. Yo continue pour un sabou il a caillou. Puis on dit c'est pour bon gain pour développement touristique en termes des choses locales internationales. Donc bateau là bateau croisé à l'aile passé. C'est au cap juste là aller oui. Aller là-bas, c'est pas même pour nous. Tandis que nous avons une plage là, dans la Tortue. C'est une troisième plage, meilleure plage qui vient dans le Caraïbe là. Mais mon roche pas sous lui, non? Ça ne va pas gagner, non? Donc, selon vous-même, ce n'est pas fermé et Waflan qui solution. C'est plutôt mettre plus de contrôle sur sa capable de rentrer sous Waflan pour permettre que l'activité soit capable de continuer. Et puisque c'est de ça, on dit majorité population en vive. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est problème structurel, c'est l'État central qui peut assumer responsabilité pour que vous mettez contrôle sur sa capacité pour nous renforcer l'agent douanier, pour nous renforcer, pour nous mettre des monde qui est capable de faire le job là, qui est capable de répondre avec exigence que vous demandez. C'est-à-dire pour vous mettre en contrôle depuis ce carénage ou bien tout Saint-Louis du Nord en sa folle, pour vous mettre en contrôle sous côté là. C'est-à-dire sous zone là, pour vous mettre des monde qui a bien contrôle sous petit bateau ou bien sous gros bateau, qui a fait des bagailles et marchandages ou bien qui a fait des bagailles qui pas répondre avec la loi. Je pense que c'est un contrôle pour l'État mettre, surtout dans zone Port de Paix et en sa folle. Lui du Nord, n'a pas Jean Abel, n'a pas un Moule Saint-Nicolas, toutes zones, ces zones qui viennent en mer. Je pense que si on met en contrôle, d'accord. La plus favorable, au lieu que c'est
fermer pour fermer Wafla parce que Wafla pas qu'à fermer pour petite Nord-Ouest parce que c'était lui nous vivre, c'était lui par nous vivre. Merci c'est lui qui fait nous ça nous aujourd'hui. Merci un peu Jean Woodley Baptiste, petite Nord-Ouest militant engagé qui a écrit une lettre pour l'ouvrir à Premier ministre pour demander le camper sous décision ça qui pas adopté. Mais on dit mon ça lié important donc c'est pas une décision qui est officielle. Oui, c'est pas une décision qui est officielle. Les rumeurs, parce que le gouvernement n'a pas sorti aucun document qui veut confirmer ça. Voilà. Mais Jean Woodley se dit là, les au fond, obligé de payer l'avance. Mais ça n'a pas tout nous, l'en considérer et l'État ici, c'est Jean Abdil Ofma avec décision qui est plus facile. Oui, c'est ça qui est facile. Et deuxièmement, tout, c'est ça pas imaginer, c'est le dernier bagarre qui doit pas attendre, c'est les mêmes qui ont donc moi-même, moi d'accord avec mon Nord-Ouest qui croit que je dis, c'est pas et fermé pour la solution idéale là, mais c'est plutôt renforcer la structure de contrôle. Parce que nous, là déjà, je me pose des questions. Parce que, pas oublier, nous avons une seule douane en réalité, c'est l'administration générale des douanes qui régit par même document. C'est-à-dire que douane était au Cap, que le TC-Marc et même port privé autour. Vous comprenez, il y a des inspecteurs, il y a des mounes, des chaînes qui vont assurer les bons bagages qui rentrent, comment vous ça fait, etc. Malheureusement, pour un raison ou pour l'autre, chaque année, vous avez des milliards de gouttes de l'État a perdu. Chaque année, vous avez ces contrebandes, ces corruptions qui caractérisent les transactions qui ont fait en dedans. Chaque année, vous avez ces armes administratives qui ont été par des cargaisons. L'État a besoin de l'argent et puis a fait de structures qui permettent de rentrer l'argent. Mais c'est bizarre, renforcer, ça. Au lieu que vous renforcez, vous mettez contrôle, vous mettez structure, vous selon les rumeurs, il a fermé. Mais tout à l'heure, il a dit qu'il a fermé Douane Port-au-Prince. Tout à l'heure, il a dit qu'il a fermé la fuite autour. Ça m'a rentré tout de côté. Pour moi, ce qui est triste, c'est que le port n'a pas de contrôle du tout. Il a fonctionné. Moi-même, c'est pas gagné longtemps. C'est ancien DG Michael Angelino qui a dit ça. Il y a des ports qui n'ont pas de contrôle de l'État du tout. L'État n'a pas de contrôle du tout. Privé. Oui, mais il a fonctionné. Justement. Il a fonctionné. Et souvent, il y a des armes avec munitions qui rentrent. Non, pas ça. La solution idéale, là, c'est renforcer la structure de contrôle. Mais dans le même bagage, pas autour. Il y a un ami partagé avec moi-même qui est intrigué. Il dit que c'est une série de gens qui dans le pays, qui sont une série d'entreprises, qui sont gros dans le pays, là où c'est le compte de l'entrée, et il y a gagné un débat même qui autorise que c'est la caillou pour faire inspection. Oui, oui, oui. Et là, elle fait inspection à la caillou, ça vous voulez vous déclarer. Bon, depuis le doigt, elle rentre à mon s'il veut retirer ça, elle veut. L'inspecteur a tout, bon autonomie, il n'a pas gagné, il n'a pas indépendance, il n'a pas gagné. Avec courage, ou à l'inspecteur à la caillou, il va louche la donne, et puis l'autre sorti, il nous a dit non, nous connaissons la caillou pas bon, et qu'il est bizarre. Non, non. Bagarre, vous avez touché dans 6 mois, le bas ou non, un jour. Donc vous-même, automatiquement, vous. Mauvaise loi. Oui. Non, ça me passe. Nous avons DG dans la douane, non? Donc, son jeune garçon. Donc, nous espérons que vous révisez. Oui, ouais, décision ça, oui. Question à faire inspection la caille Mounio. Donc, qui contrôle? Combien d'agents douaniers qu'à la caille Mounza? Oui, pour faire contrôle. Non, non, ça c'est pas logique. En tout cas, c'est Jean-Baptiste Abraham-Botomba et comme ça qui est passé. Et un agent douanier qui a fait une inspection qui a une autorité, il n'y a pas de bail dans le monde, il y a un grand nègre. Et puis, il est arrivé, il a joué et continué à débarquer. Tout le bagage est arrivé. Ça, il a montré que c'est quelques types de fleurs. Oui. Il dit que mec qui s'est quitté dans la douane, dans le conteneur. Et puis, il a remarqué qu'il y a l'autre, il a dit ouais, sachet protection, il a dit pété, il a dit qu'il y a terre. Mais en réalité, il n'y a pas qu'on connaît vraiment qui quantité de bagage qui était dans le conteneur. Elles ont compris. Parce que la conclusion, c'est re-ouais, structure de contrôle, renforcer davantage, permettre que l'État ait une présence dans tout sens, ni dans la question inspection, ni dans la question force de l'ordre, etc. Tout niveau net. Mais c'est l'État tellement irresponsable. L'aide de bagaille. Un, l'aide de l'État perd du moins ce qu'on. Parce que depuis ces structures, bien, on va contrôler à 100%. Oui. Mais l'État perd du moins ce qu'on. Et de tout, l'aide de l'État a gros yeux. Sous sa cap rentrée en DABIA et sous sa cap sortie tout. Vous comprenez? Parce que tout le monde est d'accord pour paquet de bagages qui rentrent dans le pays qui vient mettre nous dans le problème parmi les armes et munitions, nous ne pouvons pas produire. Donc c'est à l'extérieur qui sortit. Et pour y passer, pour y rentrer dans le pays, bon côté qui est inévitable de passer, ce sont les douanes. Vous comprenez? Les douanes sont capables au niveau de frontières là, donc ensemble de frontières que nous gagnons avec la République dominicaine, et les capables de douanes qui relient bateaux, etc. Et qui a sorti dans l'autre pays et puis qui a monté dans le pays. Bon, c'est toi ça dit, je ne pas parler de Jacques Mel. Donc, on va faire Jacques Mel. Il a dépensé l'argent fait. Oui, pour lui, même si tu dis 6 mois seulement, il a porté. Oui, des fois, il a porté de marché, mais il n'y a pas. Il a investi ce qu'il a fait, mais il a fait le mettre là.
Ouais. Mais on va faire mettre là. Après ça, l'État est toujours vide. Moi-même, comprendre, moi-même, m'appuyer aux revendications monde pour le pays. Parce que, et douane, et pour monde qui peut-être pas contre ça, économie, peut-être qu'il y a une formule scientifique pour expliquer ça, il y a fonctionné dans une ville et il permet que nous l'argent qui boissent dans la ville. Par exemple, où est Saint-Marc-Gonaïve, sous regardez sur le plan économique, ou plus, voulez quoi que c'est Saint-Marc qui chef du département qui vous naïve. Oui, ils ont enceinte. Activité. Et douane Saint-Marc là permettre qu'il y ait une activité économique qui plus ou moins, et un baronne, mais qui souvient une zéro, comparativement avec le naïve, pas une douane normale. Okay. Tout ça qui vous permet l'État de rentrer l'argent, c'est eux-mêmes de négliger. L'obgard depuis le motocyclette qui rentre. L'oual dans la ville province, la majorité de motocyclettes qui ont plaque. A circuler sans plaque, oui. Ça, tu peux permettre déjà de rentrer l'argent? Mais on néglige tout ça pour pas rentrer l'argent. Tu es capable de faire ou avec c'était trouver nous une vraie assurance. Oui. Ouais. Hein? Bon, même je ça fait dans privé à moi même qui décidé c'est avec l'état m'assurer machin même oui. Payer pour ça. Ouais, mais au fond bah 2-3000 gouttes, ouais, il fait des machines là et puis le AVC c'était na ouais. On prend un an pour toucher. OK, yo dit me conteneur yo scellé même si yo aller dans entreprise yo et yo pas ca l'ouvrir en absence agent douanier. Bon, est-ce que ça respecté? Non mais moi me responsabilité pour me dire ça. Ouais, moi là, ouais, vous naïf, moi même l'aime lever. Vous naïf début des années 2000. M'a bon menti, ouais douane pour sentir te gagner ou économie qui a marché dans ville là. On comprend? Mais si nous avons rendu bag et pas comme pas une structure bien mais pour là quasiment inopérationnel depuis pratiquement les événements et en conduit à la chute de Jean-Pierre Aristide en 2004. Ça veut dire depuis 2004 vous venez tomber sous cyclone et 2004 vous arrivez sous Anna, donc infrastructure ça n'a pas existé encore. Et m'a rappelé que Gonaïve son ville qui gagne gros en mer qui a habitué gros bateau qui a coûté sous lui. Donc économiquement ville là font bac. Bon, bien sûr, la ville là font bac et me pense Gonaïve est comme une ville capable dit qui parmi les grandes villes de ce pays même quatrième même je dirais donc d'accord que qui pas capable de joindre possibilité pour brasser l'argent la donne donc quelque part chômage là en termes de taux là augmenté. Oui. OK, nous allons parler avec citoyen ça qui est même un petit garçon l'a cherché, li pa wè. Bonjour, avancez puis près micro. Bonjour. Et Pierre. Parlez plus fort. Bonjour Pierre-Hélène, bonjour. Nous saluons par le panel là. Les petits garçons qui sont sortis mercredi, ils ne sont pas entrés. Maman maladie, ils sont en façon de là. Nous avons remettant d'il, quel que soit côté, ça y a là. Nous avons parlé pour maman en confiance. Quel que soit pour nous qui t'attendent. Comment petit garçon il est? Il est Jean-Charles Jeffrey. Jean-Charles Jeffrey, qui l'a joué? Il est habitué à faire ça déjà? 17. 98. Il est habitué à sortir, il va rentrer déjà? Non, il va habitué à sortir, il va rentrer. Mais il y a l'église que moi-même. Si moi-même, c'est l'église, il y a l'école 4 000 francs, le fini. Non, mais quand il est habité, quand il est allé? Quand il est allé? Il est dit, il a le petit comme. Petit comme l'assemblée sur. Non, non, et l'histoire c'est qui côté? Quand on habite? Quatrième plus. Hein? Quatrième plus. Comment quatrième avenue? Oui, plus. Quatrième avenue, c'est ça, c'est ça. Oui. Ça vous l'avez dit? Oui. Ok, donc l'histoire il y a qui côté, il y a le point comme là? La banque, la point de commission. L'entrée de la banque. Donc, on parle de qui banque, qui parcourt, les faits? BNC. Qui ça le fait comme activité, dis-toi? L'école liée, la faculté. Dans quelle faculté liée? Médecine. Médecine? Tu vois qu'on a combien d'années liées? Non, il va aller ça. Ah, année ça, l'année. Ok. Ok, donc, oui, mais si photo, citoyen, ça, comment on dit les jeunes garçons? Jean-Charles Jeffrey. Jean-Charles Jeffrey, donc, parents li, a pas cherché, donc, pas de monde qui est là, l'année il est sur téléphone, qui ça nous joue? Téléphone n'a pas la main. Téléphone était tombé dans le logis, c'est l'esprit. Et sous, pas là, c'est tout. Téléphone maman lié, je sais. Il était sorti à téléphone dans même, il n'est pas tout. Sorti à téléphone. Ok. Ok, donc vous passez là pour. Passez là, quelque